Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance. Je suis ravi de vous retrouver. Donc, je suis François et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de confinement en extérieur. Profitons même en ce mois de novembre de relâcher un petit peu, de se détendre, de laisser à l'extérieur un petit peu tous les tracas de la vie actuelle. Installez-vous confortablement sur votre tapis, sur un coussin, sur une brique. Laissez les mains se poser sur les genoux ou directement à l'intérieur pour éviter d'avoir trop de tension dans vos épaules, dans votre nuque. Inspirez profondément, expirez profondément, peut-être 2-3 fois par la bouche. Petit à petit, observez l'espace autour de vous. Laissez le ventre se gonfler, la poitrine, les clavicules et l'air redescendre en sens inverse. Observez le fil de soie de votre respiration qui s'étire. En allongeant peut-être sur 4 ou 5 comptes l'inspiration et en expirant sur 4 ou 5 comptes l'expiration. Le visage détendu et les mâchoires décrispées. Portez cette attention particulière sur vous et justement dans toute cette agitation, dans toute notre vie actuelle qui bouge trop vite, faites une pause pour y mettre un petit peu d'attention particulière dans votre yoga. Observez les bruits à l'extérieur et petit à petit revenez sur ce qui se passe sur votre tapis, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Petit à petit, engagez Mula Bandha ou Dhyana Bandha, votre périnée qui vient porter vos organes par en dessous, comme un hamac. Dhyana Bandha, votre nombril qui sera fermé, et observez votre diaphragme comme une grosse méduse qui gonfle et qui relâche, qui compresse un petit peu vos poumons pour laisser la place à vos viscères et qui compresse vos viscères pour laisser la place à vos poumons. Sentez ce massage à l'intérieur, cette ouverture et cette largeur dans votre respiration. Peut-être déjà ici votre expiration Ujjayi avec un son léger, sonore, chaud dans votre gorge. J'ai toujours cette respiration par le nez. Délicatement, ramenez le bout des doigts au sol, inspirez. Et ouvrons cette séance avec une fois le son Om. Une fois que vous aurez ramené les pouces sur votre sternum pour sentir encore mieux cette résonance. Inspirez. Puis remontez les mains vers le ciel en inspirant. Laissez les paumes de main vers l'arrière et vers l'extérieur. Faites glisser les mains des hanches vers les épaules. Faites tourner vos coudes vers le ciel et vers l'arrière pour expirer. Et remontez vers le ciel en inspirant. Expirez profondément, étirez ce fil de soie et sentez que la connexion de cette respiration va connecter votre corps, votre esprit et puis faire une pause encore dans votre journée. Une dernière fois, montez, glissez, inspirez, expirez. Et pressez. Délicatement, gardez la main droite au sol et soulevez le bras gauche. Inspirez. Expirez en relâchant par-dessus. Fléchissez le coude pour remonter vertèbre après vertèbre. Inspirez, montez la main droite. Posez la main gauche. Expirez. Le bras lourd. Gardez bien vos ischions dans le sol. Inspirez. Et reposez délicatement. Expirez. Mobilisez votre colonne vertébrale comme un roseau qui bougerait avec le vent de droite à gauche. Sentez-vous ferme, enraciné et le haut de votre corps mobile, flottez une dernière fois à droite. Une mâchoire décrispée, peut-être même que la langue flotte déjà un petit peu dans votre palais. Alors que vous détendez vos mâchoires et les traits de votre visage. À la prochaine inspiration, c'est la main droite et la main gauche qui viennent se poser dans la longueur de votre tapis pour vous retourner. Gardez les orteils crochetés.
et faites des cercles vers la droite, vers l'arrière, vers l'avant. Sentez vos poignets, vos chevilles, si vous arrivez à bien caler vos 10 orteils au sol. Observez vos hanches, vos genoux. Peut-être déjà ressentir encore un peu vos fascias qui s'étirent de la voûte plantaire jusqu'au sommet du crâne. Et les petites bulles d'air dans vos articulations qui commencent à craquer. Mais ne surétirez pas, faites bien attention. De votre côté peut-être, inspire, expire. Gentiment, laissez le dos se creuser avec le coccyx et le sommet du crâne vers le ciel. Et en repoussant avec la pulpe des doigts, le dos rond du chat, le ventre ferme. Le dos très très rond avec les épaules et les omoplates. Inspirez, glissez vers l'avant, le regard entre les deux sourcils. Expirez, repoussez-vous du sol. Une troisième et dernière fois, inspirez. Et ici, prenez le temps d'expirer, de soulever vos genoux pour pousser le ventre sur les cuisses. Gardez les genoux souples. En tout cas, une belle fermeté dans les mains, les coudes vers le sol et les épaules loin des oreilles. Gardez cette projection de votre dos jusqu'au coccyx. Et petit à petit, observez ce qui se passe dans l'arrière de vos cuisses. Si vous pouvez tendre une jambe après l'autre. Sentir ici, l'inspire, l'expire. Et petit à petit, arrêtez votre jambe droite, tendue, genou gauche fléchi. Et pressez un peu plus fort dans votre main gauche. Pareil en diagonale ici. La jambe droite tendue, le bras droit tendu, surtout les épaules loin des oreilles pour activer votre dos. Activez vos bras, relâchez ce flot. Changez délicatement. Une pression de la jambe gauche, vérifiez la longueur. Pressez fort dans la main pour ne pas surengager votre épaule et détendez calmement la tête. Fléchissez vos genoux, activez le centre et déroulez vertèbre après vertèbre. Inspirez, posez le ventre sur les cuisses, expirez le coccyx vers le ciel et les talons vers le sol. Déroulez votre planche, inspirez, regardez devant vous, genoux fléchis, le ventre ferme, vous expirez. La troisième et dernière fois, vous déroulez et vous expirez. À la prochaine inspiration, soulevez la jambe droite et ramenez le pied droit en expirant entre les deux mains. Gardez votre mise en place ici dans Janayasana avec les bras tendus derrière. Tirez le talon droit à l'intérieur et ramenez les orteils du pied gauche à l'intérieur aussi. Ne vous effondrez pas dans le sol comme un stretch, mais comme une belle activation de tout votre corps qui s'étire jusqu'à la pulpe de vos doigts, jusqu'au sommet du crâne. Sentez la chaleur arriver. Et lentement, tirez le bras gauche devant, tirez le bras droit derrière. Si vous pouvez suivre la main droite derrière, n'hésitez pas à reposer votre genou si c'est trop intense déjà pour débuter. Expirez. Ramenez la main droite vers le ciel, la main gauche vers l'arrière, posez sur la cuisse et ouvrez. Sentez la fermeté de vos pieds, de tous vos orteils enracinés dans le sol. Et encore une fois, glissez, inspirez. Expirez, revenez. Ouvrez la poitrine, ouvrez votre cœur. Étirez le bas du dos, étirez la peau sous le ventre et restez ici, respirez. Lentement, vous faites un grand cercle avec la main droite, puis la main gauche qui vient se poser au sol. Pour Parivrita Anjaneyasana, la main droite vers le ciel, gardez bien vos deux hanches parallèles et ne vous effondrez pas à gauche dans le sol. Ramenez bien la hanche gauche vers le ciel avec la main. Trouvez le temps de vos respirations. Lentement, après ces quelques respirations, en posant le talon gauche derrière sur la même ligne que le talon droit, la main droite sur la cheville, ouvrez Utthita Parvakonasana. Peut-être que vous avez besoin de remonter ici sur l'avant-bras, pourquoi pas. Si vous êtes resté en bas, sentez cette longueur, cette ouverture de votre poitrine vers le ciel. Et cette pression que vous mettez dans la tranche extérieure du pied pour remonter le long de la cuisse. Si vous êtes à l'aise, si votre corps en a besoin, peut-être allongez le bras, mais sans surétirer l'épaule. Prenez le temps d'ouvrir et de respirer.
lentement, laissez tomber votre main gauche, pressez sur la pulpe des doigts, décollez votre talon gauche et repoussez votre chien tête en bas, Dhammottasvanasana. Déroulez la planche, posez vos genoux, le ventre entre les deux cuisses, relâchez Balasana, pose de l'enfant. Tirez sur la pulpe des doigts, projetez vos orteils et du dos rond, passez dans le dos creux de la vache, posez le ventre sur les cuisses et expirez à Dhammottasvanasana. Rectifiez cette belle pression dans les pieds, dans les mains. On regarde entre les deux mains, soulevez la jambe gauche, inspirez, expirez le pied gauche devant. Gardez cette pression, cette longueur, entre les deux talons qui se resserrent. Les bras s'étirent, le ventre ferme au-dessus de la cuisse. Et en tirant le bras droit devant, suivez la main gauche du regard. Souvenez-vous que vous êtes toujours à temps de poser votre genou et de profiter de votre ouverture de la poitrine, de votre centre. Et votre attention, en activant les drishti, fixez les regards sur un point et tout le reste se floute. Ensuite, vous montez vers le ciel. Prenez appui sur la cuisse droite et vous déployez votre cœur à gauche. Lentement, vous revenez et vous ouvrez, vous mettez de la distance entre les deux mains. Encore, pivotez, soufflez. Bien. Lentement ici, vous ramenez la main droite au sol et vous faites un tour avec le bras gauche pour Parikrita Anjani Asana. Laissez le regard filer vers le ciel, sur le majeur si vous voulez. Mais n'ouvrez pas trop au détriment de vos hanches. Si on est raide et que le bras est ici en diagonale, peut-être que c'est le vôtre. Et si vous cherchez à trop couvrir et que vous sentez que votre bassin commence à twister, que votre genou tombe, revenez au centre ou peut-être même repassez avec le genou au sol. Lentement, ce sera votre main gauche qui descendra avec le talon droit pour ouvrir. Uttanasana. Comme tout à l'heure, peut-être en appui sur la cuisse, poussez sur la tranche extérieure du pied. Ouvrez, inspirez. Ramenez un petit peu votre coccyx à l'intérieur pour activer votre dos et surtout votre centre. Si vous étiez là, sentez cette belle ouverture. Si votre bras vous entraîne par-dessus la tête, pourquoi pas? Et lentement, ramenez les deux mains au sol, décollez votre talon droit, poussez fermement dans les deux mains pour repousser votre chien tête en bas. Expirez, Adho Mukha. Déroulez en planche, posez vos genoux pour Chaturanga, les coudes serrés le long des côtes. Gardez ici les mains juste sous les épaules, pressez les orteils au sol et activez votre dos en décollant les mains. Serrez vos épaules, vos omoplates. Encore deux longues expirations. Pressez sur les mains, retroussez les orteils, poussez sur les genoux pour Adho Mukha Svanasana. Replacez vos pieds. Inspirez encore deux fois. Restez comme ça, sentez bien la pression que vous mettez dans les mains. Les majeurs bien parallèles. Les coudes vers le sol et les épaules loin des oreilles. En regardant entre les deux mains, vous soulèverez la jambe droite, juste parallèle au sol, avec le petit orteil face au sol. Expirez la cuisse sur le ventre et le pied droit entre les deux mains. Poussez sur la tranche extérieure du pied. Gauche et ouvrez votre guerrier de Virabhadrasana, les épaules basses, le regard sur le majeur, étendez les épaules, activez encore plus fort votre cuisse arrière que la cuisse avant, et sentez le ventre ferme pour étirer le long de la colonne vertébrale, Sushumna, votre énergie jusqu'au sommet du crâne. Sentez cette belle force dans le sol, comme si on voulait plisser le sol entre les deux talons. De nouveau, ne vous laissez pas affaler, effondrer dans le sol, mais allonger. En tendant la jambe droite, soulevez vos orteils, inspirez
et en expirant, trouvez cette option 2, petit tapage à Konasana. Encore deux fois, soulevez, inspirez, restons dans le mouvement. Même si on imagine l'immobilité, on a toujours un certain mouvement à l'intérieur, que ce soit dans nos cellules, dans nos liquides. Observez ça et gardez une pause, peut-être une dernière fois. Gardez le genou fléchi pour notre variation du Virabhadrasana 2. Inspirez. En expirant, tendez la jambe droite, glissez pour votre Uttita Trikonasana. Léger appui ici à droite, ouvrez le bras gauche. Serrez votre taille pour allonger dessous. Toujours attendre de micro fléchir, de garder la main sur la hanche, pourquoi pas. Si on a mal aux épaules ou si on veut être sûr d'aligner, peut-être qu'on peut se servir du bras dans le dos, comme si on avait un mur invisible pour garder cette action ici. Et respirez fort. Ramenez votre coccyx pour éviter une trop grosse cambrure. Fléchissant le genou, déployez votre guerrier 2, enracinez-vous une dernière fois et en montant vers le ciel, ramenez les 10 orteils vers l'avant, inspirez et en expirant, rejoignez les paumes de main serrées l'une contre l'autre dans le dos, tirez les poings vers le sol, fléchissez peut-être un petit peu vos genoux pour descendre ici dans cette option. Le Prasarita de Uttanasana, c'est le ventre entre les deux cuisses. Ne surétirez pas vos genoux, si vous avez besoin de fléchir, fléchissez. N'allez pas trop loin avec vos bras, sentez juste l'engagement de vos épaules, de vos omoplates. Et tracez une ligne de votre coccyx au sommet du crâne. En fléchissant les genoux, on va se redresser le dos long. Les poings vous tirent vers l'arrière, puis vers le sol pour redresser la poitrine vers le ciel. Allongez de nouveau vos bras, pivotez la pointe de pied gauche et fléchissez dans votre guerrier 2. Restez fermement sur la tranche extérieure du pied droit. Le regard sur le majeur. Activez vos adducteurs en resserrant les deux talons. Imaginairement, comme si on pouvait. Et crispez les mâchoires en tout cas. En inspirant, tendez, projetez. Expirez dans cette adaptation. Encore, inspirez. Et tirez peut-être un peu plus loin. Expirez. Troisième et dernière fois. Expirez. Placez bien les 5 orteils. Étendez. Tout à l'heure, laissez glisser dans votre triangle. Petit à Trikonasana. Si vous avez besoin d'un support, qu'on imagine qu'on a bien les deux épaules et les deux hanches contre un mur, rentrez fort le ventre, aplatissez le bas du dos et restez simplement ici. Si ça tire trop dans l'adducteur, micro-fléchissez. Et gardez cette attention, que ce soit confortable, pour laisser une place à votre esprit de se connecter sur vous. Même dans la difficulté de la posture. Observez. Et on va fléchir de nouveau pour inspirer dans son guerrier 2. Expirez sans racine. Et en ramenant les 10 orteils, inspirez vers l'avant. Et ici, face à l'étape de Uttanasana A, vous allez simplement garder les dos longs, les dos en cloche sous les épaules. Poussez les fesses vers l'arrière et ramenez les mains sur la même ligne que les talons. Les mains largeur des épaules, les épaules loin des oreilles. La nuque longue.
pliez votre dos, les doigts en cloche sous les épaules, vous inspirez. Et vous ouvrez la pointe de pied droite. Uskandasana ici. Prenez appui sur l'intérieur de la cuisse pour pousser le genou vers l'extérieur en même temps que la cuisse va revenir à l'intérieur. Sentez juste cette petite opposition de force pour vous centrer, équilibrer. Faisons la même chose de l'autre côté. Bougez délicatement comme un animal. Pressez le genou vers l'extérieur et ramenez votre genou à l'intérieur. Gardez bien l'axe. Le ventre ferme et la cuisse contractée à droite aussi. Délicatement, glissez à l'intérieur pour pivoter au-dessus de votre pied droit. Repoussez ce pied droit dans votre chien tête en bas. Expirez à demi-tour. Déroulez la planche, inspirez. Posez vos genoux, expirez chaturanga. Restez ici dans votre option de Bhujangasana, votre cobra, pour sentir bien la pression que vous mettez dans le pubis, dans le ventre, pour activer votre dos. Pas besoin des doigts, c'est juste un appui pour l'équilibre. Enracinez-vous. Et lentement, ramenez les mains, retroussez les orteils. Poussez votre chien tête en bas. Regardez entre les deux mains pour marcher. Uttanasana dans votre flexion avant. Finissez l'inspiration devant. Expirez le ventre sur les cuisses, les paumes de main à plat. Laissez vos fesses dans votre chaise. Utkatasana. Expirez les hanches basses. Poussez dans les hanches, vous inspirez. Expirez Samasthiti, les bras le long du corps. Enroulez vos épaules. Inspirez. Expirez pour vous asseoir dans votre chaise. Restez délicat, rebondissez comme un élastique. Expirez le poids du corps dans les talons. Poussez du pubis jusqu'au sommet du crâne. Inspirez. Et plongez dans la flexion avant, Uttanasana. Les mains au sol, le menton rentré. Ardha Uttanasana. Regardez devant vous, le dos long, les genoux fléchis. Et marchez délicatement dans votre chien tête en bas, Adho Mukha. Déroulez la planche pour inspirer. Posez vos genoux, Chaturanga. Expirez. Ici, restez dans Bhujangasana, votre cobra, le pubis au sol, les épaules loin des oreilles. Toujours très peu de pression sur les mains, mais de la contraction dans votre dos. Repoussez, expirez, Adho Mukha. Effiez la parallèle de vos pieds. La pression que vous mettez dans les doigts, les coudes toujours vers le sol, les épaules loin des oreilles. Ventre ferme. Regardez entre les deux mains pour avancer votre pied droit. Expirez. Restez ici en appui sur le bout des doigts pour installer votre Virabhadrasana 3, votre guerrier 3. Est-ce que votre pied flex, le petit orteil vers le sol, est tiré jusqu'au sommet du crâne? Vous êtes à l'aise, peut-être que vous avez ramené les mains sur la cuisse ou les mains sur les hanches pour vérifier que votre bassin est bien parallèle au sol. Vous avez toujours plusieurs adaptations. Faites ce qui est bon pour vous, si vous êtes en forme, si vous voulez tester, mais si vous voyez que ça ne passe pas, peut-être que le pied est juste au sol pour l'équilibre, pourquoi pas. Mais reposez le pied loin derrière. Laissez les mains autour du pied droit. Et le pied droit va monter vers le ciel pour inspirer, ouvrir la hanche. Laissez tomber votre pied. Activez la cuisse, la fesse, la hanche. Et pressez fermement dans la main droite pour équilibrer la pression du corps. Et là, le genou droit revient vers la main gauche. Essayez de poser le pied. Et ouvrez. Ici, grandissez. Respirez. Et lentement, ramenez les deux mains sous les épaules. Ramenez le pied droit vers le ciel. Ramenez votre pied droit devant. Expirez. Retrouvez Virabhadrasana 3, comme on a commencé. En fléchissant le genou gauche, venez vous asseoir sur les deux fesses. Avec le pied droit qui peut rester devant le tibia ou par-dessus la cuisse. Prenez appui sur la main droite derrière,
plaquez votre ventre dans la cuisse, enveloppez avec le bras gauche, Ardha Matsyamarasana. Venez masser le ventre, alignez vos deux épaules, soufflez loin. Fixez un point, de nouveau, pour fixer vos pensées, votre attention. La tête. Une fois que vous aurez essoré vos poumons comme une éponge, continuez de tourner avec vos épaules et on continue de tourner vers la gauche. Reposez les deux mains derrière. Reprendre appui sur les deux mains, repoussez les deux pieds à Adho Mukha Svanasana. Regardez entre les deux mains, soulevez la jambe gauche. Expirez avec votre pied gauche bien à plat et faites un pas en avant pour soulever votre Virabhadrasana 3. Dans cette adaptation, vérifiez bien le pied, la hanche, la longueur dans le dos, à vous de voir votre option ici, sur la cuisse, sur les hanches. Ce dont vous avez besoin, ce qui est possible aujourd'hui. Cette belle longueur, après vos 5 expirations, reposez le pied droit. Prenez appui sur la jambe gauche, soulevez la jambe gauche et ouvrez la hanche. Pressez fermement sur la main gauche et rectifiez le buste. Laissez doucement tomber, sans laisser tomber complètement le pied. Activez le genou, la cuisse, le pied flex. Et doucement vous ramenez le pied dans l'axe, sur le profil et vous ouvrez. En ramenant les deux mains sous les épaules, vous repoussez votre pied gauche vers le ciel. Et vous revenez doucement avec le pied gauche devant. Virabhadrasana 3, adaptation. Pied flex, longueur, force, équilibre. Réfléchissez pour venir vous asseoir. Posez la fesse droite, posez la fesse gauche. Soit votre pied reste devant le tibia, soit il passe par-dessus la cuisse, mais que vos deux fesses restent bien ancrées. Poussez avec le bras gauche derrière, enveloppez avec le bras droit devant. Ardha Matsyamarasana. Épaules, vos bras qui flottent. Pour tourner de nouveau vers la droite, faites un grand tour. Servez-vous de vos pieds. Les deux mains sous les épaules, vous retrouvez votre chien tête en bas, vous expirez. Et en marchant ou en sautant, vous ramenez les deux pieds entre les deux mains pour finir l'inspiration dans Uttanasana. Expirez les paumes de main à plat, le menton rentré. Laissez vos fesses pour Utkatasana, votre chaise. Expirez. Poussez dans les hanches pour inspirer. Expirez, descendez dans Utkatasana. Inspirez léger. Expirez lourd dans les talons. Montez, inspirez. Et restez ici dans Tadasana, la montagne. Les paumes de main vers les hanches, les gros orteils des talons joints. Étirez le sommet du crâne vers le ciel, le sommet de votre montagne. Serrez les cuisses, les fesses. Et observez l'équilibre, la force, la stabilité. Et l'ancrage dans l'instant présent.
mains sur les hanches. Soulevez votre genou gauche. Venez ramener le pied gauche derrière. N'hésitez pas à fléchir votre genou droit. Déjà ici, vous êtes dans votre adaptation de Natarajasana, votre danseur. Peut-être qu'on peut attraper le pied par l'intérieur avec le pouce sur la balle du pied. C'est largement suffisant pour certains. Peut-être que vous avez déjà besoin d'équilibre devant pour compenser poids contre poids. Poussez le pied loin de la fesse en gardant la hanche vers l'avant. Étirez votre poitrine jusqu'à l'épaule et voyez jusqu'où vous pouvez aller sans perdre de vue votre stabilité, sans chercher à aller trop loin, trop vite. Sans pincer le bas du dos, mais en éloignant, vous ouvrez. Décrispez les mâchoires de nouveau. Lentement, vous ramenez à l'intérieur. Faites une boule. Enveloppez. Et là, essayez d'ouvrir, d'allonger dans l'axe de votre pied droit. Ouvrez votre pied ou alors gardez l'appui au sol. Vous essayez d'ouvrir encore un petit peu ici. Jusqu'au sol pour Ardha Chandrasana, le pied flex. Alignez vos épaules, alignez vos hanches. Lentement, ramenez les deux mains au sol, soufflez sur votre genou, montez le pied gauche comme vous pouvez vers le ciel. Et ramenez les deux pieds joints dans votre chaise, Utkatasana, vous inspirez et vous expirez dans le sol. Poussez, inspirez. Et de nouveau, Tadasana, faites une pause ici, les yeux fermés. Un souffle long et chaud. Retrouvez le calme et le frais. Observez l'instant, les 10 orteils enracinés dans le sol, les cuisses, les mollets, toute votre colonne vertébrale qui s'étire et qui s'engage fermement vers le ciel. Ensuite, les mains sur les hanches pour soulever votre genou droit. Attrapez ou restez ici. C'est beaucoup pour certains, n'hésitez pas. Et peut-être même avec déjà un peu d'équilibre et de contrepoids devant. Si vous pouvez attraper ou si ça crampe, faites attention, comme moi ça crampe un petit peu aujourd'hui. Voilà, poussez le pied dans la main. Gardez les deux hanches. Les deux épaules face. Et voyez ce qui peut se passer dans votre corps, dans votre attention particulière. On ouvre, et on ne rajoute pas surtout de contraction, mais on libère et on déverrouille tous les petits cadenas à l'intérieur. Vous allez rassembler à l'intérieur, sentir la force qui explose pour votre demi-lune. Ardha Chandrasana, prenez le temps de descendre au sol avec les 5 appuis, de ramener le pied flex, l'ouverture dans les hanches, les épaules, jusque dans les talons, pied flex. Si vous avez une brique, c'est bien de mettre la brique sous la main pour être moins bas. Si c'est trop dur, vous pouvez même poser le pied, comme on a vu tout à l'heure, et c'est largement suffisant. Vous avez déjà cette pression des orteils qui vous poussent vers l'avant. Avant de repasser au sol, de souffler, de monter. Et de ramener les deux pieds joints. Inspirez dans Utkatasana. Expirez dans la chaise plus basse. Poussez dans les hanches, inspirez. Uttanasana, flexion avant. Ardha Uttanasana, genou fléchi, le regard vers l'avant. Marchez ou sautez dans votre Adho Mukha Svanasana. Déroulez la planche. Posez vos genoux, Chaturanga, expirez. Soit vous restez dans votre cobra, soit vous allez dans Urdhva Mukha, votre chien tête en haut. Et vous expirez, Adho Mukha. Regardez entre les deux mains, marchez ou sautez pour vous asseoir. Et installez-vous pour Paschimottanasana, votre pince.
Genoux fléchis ici, vous enveloppez vos cuisses. Et comme si vous vouliez sortir de vos cuisses, vous plaquez un peu plus votre ventre. Gardez bien vos pieds flex et vous relâchez vos épaules vers l'arrière. 5 longues respirations. Déroulez votre dos, inspirez vers le ciel. Anjali Mudra pour vos mains, en namasté devant la poitrine. Inspirez, remontez. Ramenez les doigts vers les fesses. Prajnavottanasana, posez les pieds à plat. Et ouvrez votre cœur, ouvrez la poitrine, les épaules. Réajustez les pieds. Et lorsque vous regardez par-dessus, juste en rentrant le menton, normalement vous devriez voir que votre ventre, pas vos cuisses. Donc c'est normal si vous les voyez encore un petit peu, c'est qu'on est suffisamment raide. Et si vous n'arrivez même pas à faire ça, encore mieux, vous pouvez rester ici avec une belle projection de votre coccyx jusqu'au sommet du crâne. N'hésitez pas à redescendre. Si c'est trop dur, faites des pauses et trouvez ce que vous pouvez faire à la place. Si je n'ai pas donné l'option aujourd'hui, peut-être que vous, de vous-même, vous allez la trouver. Voilà, et on peut rester assis avec la même ouverture, la même extension si on n'arrive pas à faire celui-là, qui est une option intermédiaire, mais pourquoi pas. Lentement pour Baddha Konasana, laissez tomber les genoux, enveloppez vos orteils et de nouveau tirez le nombril vers le sol, pressez les genoux vers le sol en allongeant le buste. Sentez cette longueur. Vous savez, hein, aucune posture n'en ressemble à une autre. Vraiment, comme c'est en plus une reprise pour certains qui y reviennent, qui vont voir que j'ai mis une nouvelle vidéo en ligne, ne forcez pas, si on ne s'est pas vu depuis longtemps, en vrai, en direct, on ne s'est pas replacé, faites ce que vous connaissez, faites ce que vous ressentez. Et appréciez votre yoga toujours. Je le répéterai à chaque fois, hein. Souvent quand on dit c'est trop dur, je suis trop pas assez souple, souvenez-vous qu'on est suffisamment souple pour soi, donc que la souplesse viendra peut-être avec la pratique, peut-être pas, peut-être qu'on est bloqué, qu'on restera bloqué avec un problème physiologique. Inspirez, redressez-vous et vérifiez que vous puissiez vous allonger sur le dos. Pour Setu Bandhasana, ramenez bien les deux talons, largeur des hanches sous les genoux. Montez, expirez et alignez les genoux, les hanches et les épaules. En tirant légèrement sur l'arrière de la tête pour décocher le menton et retrouver vos cervicales. Ici, si on a assez souple des épaules, des omoplates, projetez et tirez. Inspirez fermement. Si vous êtes bien ici, restez ici. Si vous avez l'habitude de Dhanurasana, vous faites Urdhva Dhanurasana, votre pont. Sinon, vous restez là et vous respirez. Ceux qui font le pont, n'oubliez pas que vous ramenez bien les mains vers les épaules, vous serrez les coudes et que c'est l'action de vos hanches, l'action de vos épaules et de vos omoplates qui va vous faire monter. Essayez de ne pas cisailler vos genoux. Je vous le montre aujourd'hui peut-être. Mais ne le forcez pas si vous n'êtes pas prêt. On active, on presse et on souffle. Vous respirez 5 fois, vous redescendez et vous le refaites 3 fois. Et ceux qui sont ici, dans cette Bandhasana, bien sûr, vous activez et vous respirez. Et peut-être qu'après 5 respirations, je redescends mon coccyx. Je garde le dos au-dessus du sol et je remonte. Et je ne sens toujours pas de cambrure, je sens une longueur dans le bas du ventre et dans le bas du dos. Ne cherchez pas à creuser le dos et à monter pour cambrer. Sentez la force que vous mettez dans vos talons, dans vos cuisses, dans vos hanches, dans votre dos. Peut-être même qu'on a juste les bras parallèles, pas forcément projetés. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire vos 3 séries de 5 respirations à chaque fois. Et lorsque vous avez fait la 3e, vous
pourrez rester au sol. Profitez Apanasana en ramenant les cuisses sur le ventre. On attendra tout le monde. Même si on ne se voit pas, je sais qu'on n'est pas synchro et qu'on aura toujours un rythme différent grâce à sa respiration. Soit vous voulez faire maintenant votre demi-chandelle, Salamba Sarvangasana, soit vous faites votre bébé heureux en ramenant les genoux vers les épaules, les pieds flex, puis vous attrapiez vos cuisses, vos mollets, vos chevilles ou vos pieds. C'est la même chose. Et surtout, ne décollez pas votre dos et vos fesses. Vous devez plaquer vos lombaires jusqu'au coccyx. Donc à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller. Mais si vous êtes à l'aise et que vous avez l'habitude de faire votre demi-chandelle, bien sûr, vous roulez. Placez vos mains, placez vos coudes et vous prenez le temps de vous placer, toujours. Une fois qu'on a la nuque longue, on peut monter un pied après l'autre et on respire. Une fois que vous aurez bien respiré dans votre demi-chandelle, peut-être ramenez Alasana, votre charrue. Et si vous n'arrivez pas à tendre les jambes aujourd'hui, qu'on est trop raide, fléchissez les genoux, Karnapidasana. Et lentement, vous reviendrez au sol. Prenez le temps qu'il vous faut pour retrouver les autres. Rassemblez ici les pieds. Laissez tomber vos genoux. Faites une petite position diamant avec les genoux, les hanches qui s'ouvrent, les bras croisés au-dessus de la tête, soufflez. Prenez quelques instants. Vous sentez que vous êtes en forme pour faire une position sur la tête, vous la faites. Si vous voulez rester ici et vous détendre directement dans Shavasana, c'est largement suffisant. On a suffisamment travaillé, mais c'est toujours ce qui est bon pour vous, ce que vous avez envie de faire. Souvenez-vous, rien n'est obligé, rien n'est obligatoire et surtout pas une variation, surtout pas une option. C'est vous qui savez quoi faire. Donc si vous êtes bien de vous détendre, de fermer les yeux, d'ouvrir les paumes de main vers le ciel et de laisser tomber les pointes de pied vers l'extérieur, faites-le. Ceux qui ont un peu plus l'habitude, souvenez-vous de replacer votre Sirsasana. Les coudes bien serrés, largeur de vos épaules en tout cas. Vous ayez ouvert les mains ou pas. Faites votre option pour sentir le contrepoids. Respirez, ceux qui sont déjà en Shavasana, calmez le jeu. Ceux qui ont fait un Sirsasana ou une autre posture sur la tête, revenez lentement, une fois que vous aurez respiré peut-être une vingtaine de fois. Et je vous invite à vous détendre, à fermer les yeux et à garder encore l'attention sur vous quelques instants. À laisser la méditation s'installer. Grâce au vinyasa, le corps est fatigué, peut-être que l'esprit aussi, il a tellement réfléchi à une posture, à une autre, à un enchaînement, à la respiration, c'est que là, on a réussi à déconnecter de temps en temps, pour laisser un petit espace à notre yoga, entre chaque image, entre chaque pensée.
retrouvez bien sûr une respiration fluide, naturelle et complète. Et en inspirant, vous ancrez la jambe droite dans le sol. Et en expirant, vous allégez votre jambe droite. Inspirez, ancrez votre jambe gauche dans le sol. Expirez, allégez votre jambe gauche du sol. Inspirez, ancrez votre bras droit dans le sol. Expirez, allégez votre bras droit du sol. Inspirez, ancrez votre bras gauche dans le sol. Expirez, allégez votre bras gauche du sol. Observez vertèbre après vertèbre se poser, se lâcher, s'écarter l'une de l'autre jusqu'à la base du crâne. Et ce crâne avec la tête qui s'alourdit encore dans le sol, le visage qui se lisse, les yeux clos si vous pouvez pour garder cette attention particulière sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Laissez encore l'extérieur avec l'ego qui veut vous tirer, vous entraîner un peu trop vite sur ce qui va se passer peut-être après, mais qui n'existe pas encore. Faites une pause et observez l'instant présent. Autorisez-vous à être ici et maintenant. Mâchoire décrispée, laissez la langue flotter dans le palais. Laissez glisser autour de vous les bruits, les sons, les images. Peut-être avec ce point d'attention, Shambhavi Mudra, comme si on voulait loucher et regarder un point situé entre les deux sourcils. Fixez ce point, lumineux, profond, sans fin, et laissez tout le reste filer autour. Une seule attention sur ce point. Prenez le temps qu'il vous faut et petit à petit bougez vos doigts, vos orteils. Approfondissez votre souffle. Peut-être tournez la tête de droite à gauche, lentement. Et en venant vous étirer de tout votre long, peut-être même jusqu'au bâillement. Réveillez votre corps. Ramènerez la main gauche sur le bas-ventre. Roulez sur le côté droit, genou fléchis. Profitez encore de cette posture du fœtus pour redresser, réveiller votre corps après Shavasana. Et en poussant sur la main, retrouvez une position assise confortable. Sentez votre corps plus souple, plus ferme, connecté. Respiration. Connectez sur vous. On va réchauffer nos mains pour venir placer les mains chaudes sur les yeux et fermer les oreilles avec les pouces pour faire trois fois le son de la belle. Donc je vous laisse partir seul trois fois. Trois longues expirations avec le bourdonnement qui va remonter, qui va résonner surtout avec les oreilles fermées. Ça ressemblera un petit peu au home. Faites-le à la maison, tranquillement.
et Shanti, trois fois, partant de notre front, notre bouche et notre cœur. Namasté. Revenez à votre rythme. J'espère que cette séance vous a plu, qu'elle n'était pas trop dure, pas trop facile pour d'autres. Mais comme toujours, adaptez-vous, faites ce que vous savez faire, faites ce que vous pouvez faire. Demain, ce sera encore différent. Hier, ça aurait pu être différent aussi, même pour moi. C'était une reprise aussi pour le filming, donc que je reprenne mes marques. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Et j'espère que vous pratiquez bien, que c'est pas trop dur en ce moment. Je sais que je peux faire un coucou un petit peu à Vincent qui pratique aux États-Unis. Donc voilà, merci à lui de me suivre, merci à vous de me suivre et je vous retrouve très bientôt en 2020.